BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Antoine, la situation est assez compliquée depuis hier autour des grandes cryptos. Correction très marquée et vraiment générale. Oui, ça faisait des semaines, voire des mois, qu'on n'avait pas eu un tel coup de tabac. C'est assez impressionnant. Le Bitcoin, qui depuis deux mois était vraiment stable, juste sous les 30 000 dollars, a totalement décroché et revient sur les plus bas du 27 juin dernier, avec un risque clair de décrochage supplémentaire du côté des 24 000 dollars. On l'a même fait cette nuit. L'Ether, qui tentait un débordement vers les 1900, dernièrement fait un pullback, alors vraiment très sensible du côté des 1600 désormais. Même chose, on revient sur les plus bas de la mi-juin. Solana, Cardano, même chose. Et l'XRP a perdu une quinzaine de cents en 24 heures et navigue maintenant du côté des 50, juste en dessous. Et tout ceci, Antoine, a pour origine le Bitcoin, encore une fois, plongeon massif, après une mauvaise nouvelle en provenance de la galaxie Elon Musk. Oui, révélation du Wall Street Journal. La compagnie spatiale SpaceX, qui détenait alors une grosse masse de Bitcoin depuis des années, a déprécié ses avoirs en la matière à hauteur de 387 millions de dollars et apparemment aurait revendu l'ensemble de ces cryptos. Un véritable changement de paradigme, alors que depuis 2021, Elon Musk avait fait du Bitcoin un de ses chevaux de bataille, que ce soit pour SpaceX ou Tesla notamment. On se souvient que le constructeur automobile avait détenu plusieurs milliards de dollars de Bitcoin en réserve et nourrissait des projets de financement et d'achat via Bitcoin. Là, c'est l'entité SpaceX qui a visiblement tout soldé. Alors, difficile de dénouer un peu les chevaux étant donné que SpaceX est une compagnie privée, comme on dit aux États-Unis, pas cotée, donc pas soumise aux règles de transparence financière classique. Il faudra faire les comptes et imbriquer tout ça avec les bilans de Tesla. La galaxie Musk, c'est souvent un système de vases communicants entre entités. Mais en tout cas, ça prouve bien qu'Elon Musk semble d'un coup beaucoup moins enthousiaste en ce qui concerne le Bitcoin et s'allège sur de très gros montants. Le milliardaire et ceux qu'il fait du Bitcoin ont toujours été un puissant catalyseur sur le marché des cryptos. Cela dit, on le voit, pas mal de cryptos ont réduit leurs pertes cette nuit. Après, alors une autre annonce très importante, mais qui concerne cette fois l'Ether. Selon l'agence Bloomberg, la SEC, le gendarme boursier américain, est sur le point de donner son feu vert aux ETF, aux produits financiers indexés sur l'Ether. Des dizaines de demandes d'organismes financiers ont été déposées ces dernières semaines et ça pourrait être la planche de salut d'un marché particulièrement tourmenté ces dernières heures. Merci beaucoup Antoine Larigauderie.